Petit disclaimer avant, vous l'aurez remarqué, on est sur un plateau 100% masculin. Indépendamment de la volonté de la programmation, on a eu des programmations. Pour ceux qui ont un peu regardé les autres tables rondes, vous avez vu qu'il y avait beaucoup de femmes également. Donc voilà, c'était un petit disclaimer que Benoît avait également noté et tenait un peu à s'exprimer là-dessus. Si tu veux dire un mot là-dessus, Benoît ? Est-ce que moi je me suis engagé donc à refuser d'intervenir dans un panel où il n'y a pas de femmes ? Parce qu'on a besoin on a trop de panels, notamment dans les médias, mais aussi dans la tech, où il n'y a pas de femmes qui interviennent. Et je pense que c'est important de faire cet effort-là. Et quand on le fait, en fait, ça fait bouger pas mal les choses. Et donc, normalement, je suis censé ne pas venir. Seulement, je me suis fait un peu avoir, parce que je n'avais pas regardé, en fait, le nombre de personnes. Mais c'est super important de le faire. Moi, je suis signataire de l'association Jamais Sans Elle. Je vous invite d'ailleurs à signer aussi, si vous êtes intervenant dans des débats, parce que ça fait bouger beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'événements qui ont fait changer les choses comme ça. C'est important de le dire, important surtout dans les médias. Exactement. Maxime de My Little Paris, hein, juste sur la journée, la programmation est majoritairement féminine. Hein, on a quand même, donc, sur les 14 invités, 10 femmes et 4 hommes. Voilà. Exactement, c'est juste pris sur cette table ronde. Voilà pour la petite introduction. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, donc du modèle par abonnement, des newsletters, une présentation de ce line-up de Au Vol. Donc à ma gauche, Adriano Farano, qui représente Steady. Donc on a trois créateurs d'entreprises, des entrepreneurs chevronnés en l'occurrence. Adriano, toi, t'es l'ancien fondateur de Café Babel. Ça remonte à quelques années, ce média européen, de la boulangerie Panet Vivo, donc un profil un petit peu atypique. Et tu es donc senior advisor de Steady, une plateforme pour les journalistes et donc une solution pour monétiser son contenu, dont les newsletters. Benoît, ancien briscard de l'innovation numérique dans les médias. Tu avais créé le lab de chez Europe 1, le Poste. Tu avais un peu refondu le numérique chez Nice Matin autour du journalisme de solutions, créateur de Trendsboard et aujourd'hui donc de Flint, qui est une newsletter de curation de veille personnalisée faite par une intelligence artificielle, un algorithme. Tu nous expliqueras ça tout à l'heure. Et enfin, tout à ma gauche, Johan Lopez, fondateur de Snowball, le média des finances personnelles, qui a réussi à réunir en assez peu de temps une communauté de 16 000 abonnés, dont 2700 à la version payante. Voilà, on en parle beaucoup depuis des mois, depuis des années. Les médias réservent de plus en plus de place aux newsletters et aux newsletters payantes. On voit beaucoup de médias qui passent les newsletters derrière le paywall. Les newsletters payants deviennent des vrais médias en soi. Donc on trouvait assez intéressant de réunir trois profils différents, dont une solution technique qui aide ces créateurs, puisqu'on est vraiment là-dessus, hein, des créateurs, la créateurs d'économie, la passion économie dont Benoît pourra parler. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez peut-être présenter rapidement peut-être un peu dans un peu plus de détails que je l'ai fait, votre société, votre newsletter, le modèle et un peu la genèse. Bien sûr. Peut-être qu'on commence par toi, Adriano. Oui, oui. Donc Steady, c'est vraiment une plateforme qui aide tout un chacun, tous ceux qui sont éditeurs indépendants, à monétiser leur audience par le biais d'un modèle de membership. Donc le membership se différencie du modèle d'abonnement dans le fait qu'il est beaucoup plus basé sur la passion économie, donc l'économie de la passion. C'est-à-dire que la contrepartie n'est pas uniquement un contenu qui serait derrière paywall. Ça peut arriver, mais ça peut être aussi des événements, ça peut être que ce contenu il va être finalement envoyé avant aux abonnés payants avant de l'envoyer aux autres. Il y a des contenus bonus. C'est beaucoup plus articulé. C'est surtout fondé en fait sur une adhésion de l'abonné vis-à-vis donc du projet éditorial. Ce qui veut dire donc vraiment le corollaire, c'est qu'aujourd'hui, si vous êtes capable de créer des contenus de qualité
avec un ton, avec une patte, et bah, Steady, comme d'autres solutions qui existent, peut vous donner tous les moyens dont vous avez besoin pour gérer la paperasse, pour gérer les achats en ligne, pour l'envoi des newsletters, etc., etc. Et c'est effectivement une solution qui est plébiscitée par les créateurs de newsletters. Merci Adriano. Benoît, Flint. Donc Flint. Flint.media. Flint.media, qui utilise l'intelligence artificielle pour permettre d'avoir la meilleure sélection de contenu possible, d'informations disponibles sur Internet, mais de façon personnalisée, tout en essayant de ne pas nous enfermer comme le font les algorithmes de Facebook, notamment, vous en avez entendu parler il y a quelques temps, surtout en mettant l'accent sur la diversité en fait, des sources, donc des sources notamment non traditionnelles. Et évidemment, quand on parle de sources non traditionnelles, il y a toujours un risque de fake news. Donc l'algorithme permet aussi de protéger des fausses informations. Et on a un modèle payant, donc c'est gratuit. Mais si vous allez sur Flint.media, vous pouvez vous abonner gratuitement. Puis on a un modèle payant pour le grand public. Et ensuite, on a un modèle payant pour les entreprises. Donc c'est ce qui nous ramène le plus de chiffre d'affaires aujourd'hui, avec une trentaine de grands comptes qui sont abonnés à des robots spécialisés qui permettent d'aller chercher des contenus d'informations différents de ce qu'on peut trouver habituellement sur les réseaux sociaux ou dans les médias traditionnels sur les problématiques notamment d'innovation de monde qui est en train de bouger. Merci Benoît. Et donc Johan, qui est peut-être le dernier entré parmi les trois invités dans le monde des médias et des newsletters, Snowball. Ouais, déjà bonjour à tous. En effet, moi je viens pas du tout de l'univers des médias, plutôt économie, marketing, start-up. Et donc Snowball, c'était à la base un side project, vraiment comme ça, un petit hobby que j'ai lancé au mois de mars 2020, avec pour objectif de partager un peu mes connaissances dans l'univers des finances perso, de l'économie, etc. Et qui a très rapidement en fait pris et qui est devenu mon projet principal en août 2020. Et qui du coup aujourd'hui, c'est ma petite entreprise que je suis en train de développer. Donc comme tu disais, il y a à peu près, enfin on est un peu plus aujourd'hui, il y a 17 000 et quelques abonnés, dont 2 900 payants. Donc voilà, si on doit donner, ça fait à peu près 180 000 euros de chiffre d'affaires si on doit donner à peu près. Est-ce que toi, tu es très radical aussi dans la transparence des données? Oui, tu documentes tout ça. Bah, ça peut être intéressant justement, puisque tout ce que tu apprends, les learnings, parmi ceux qui regardent, il peut y avoir des gens qui se posent des questions sur la rentabilité du newsletter, donc ça peut être intéressant. Première question, puisque c'est le thème de la table ronde, pourquoi le modèle par abonnement s'impose? Est-ce que c'est la techno qui le permet? Est-ce que c'est les gens qui maintenant se disent il faut payer et veulent aller? Pourquoi on a ce shift un peu des newsletters qui sont passés de quelque chose de un peu vu comme des spams ou plutôt de la promo pour aller sur un site à un vrai média pour lequel les gens sont prêts à payer? Adriano. Je pense qu'il faut remonter à 2016, l'arrivée à la Maison Blanche de Donald Trump. Benoît en a parlé un peu des problèmes avec les algorithmes, le scandale de Cambridge Analytica. Il y a eu, je pense, une prise de conscience globale qu'en fait il y a une ligne rouge entre d'un côté la montée des populismes, la polarisation de la société, etc., et le modèle économique des médias. À partir du moment où ce modèle économique se base uniquement sur la publicité, qu'est-ce qu'on est en train de dire d'un point de vue vraiment de mécanique de flux financier, qu'en fait il faut augmenter le plus possible, ouvrir la porte le plus possible à quoi? À des clics. Pour ouvrir la porte à des clics, on doit faire des titres de plus en plus accrocheurs. Pour faire des titres de plus en plus accrocheurs, des fois, il faut raconter des conneries. Les clickbait, voilà. Et donc, il y a eu une contre-tendance qui avait commencé bien avant, mais qui, dit non, nous, ce qu'on veut monétiser, en fait, c'est pas l'audience, c'est la confiance. Ce qu'on veut monétiser, c'est pas la masse, on veut monétiser la qualité. Ce qu'on veut monétiser, ce n'est pas juste plein de gens qui vont cliquer sur une bannière, alors un sur un million, et du coup il faut des milliards de pages vues. Ce qu'on veut monétiser, en fait, c'est des abonnements, c'est des memberships, c'est finalement un acte transactionnel qui va être fondé en fait sur un échange de valeur. Alors là où c'est intéressant, je pense à la perspective qu'apporte Steady là-dedans, c'est que cet acte de confiance, il peut se baser, comme le font beaucoup de
quotidiens nationaux, par exemple, sur une logique de péage, c'est-à-dire que tu payes, tu rentres, sinon tu restes à la maison, ou alors il peut être quelque chose d'un peu plus articulé, dans lequel finalement, ce qu'on va monétiser, ce n'est pas uniquement des contenus, mais c'est aussi des contenus premium, c'est le fait de l'envoyer la newsletter avant, c'est le fait de créer une sorte de club dans lequel les gens qui payent finalement peuvent être inclus, etc., pour des services annexes, le fait de pouvoir commenter, par exemple, et ben, tous ces éléments-là deviennent, je pense, de plus en plus pertinents aujourd'hui. Ça, on y reviendra effectivement, tous les perks, toutes les contreparties qu'on peut avoir. Benoît, pour toi, le modèle par abonnement s'est imposé immédiatement pour Flint, justement sur des sujets un peu de confiance dans les news. Est-ce que c'était plutôt un modèle économique de base sur lequel tu voulais aller? Qu'est-ce qui a fait que tu es parti sur une newsletter payante? Je crois qu'il faut analyser le phénomène des newsletters comme on peut analyser celui des podcasts, voire celui de YouTube. YouTube par rapport à la télé, les podcasts par rapport à la radio et les newsletters par rapport à la presse écrite. On voit que les podcasts, on a encore du mal à les monétiser parce que la radio est a priori gratuite. Les vidéos, on est beaucoup encore sur la publicité, même s'il y a un système de dons, donc d'abonnement, mais on est plus pour donner de l'argent à quelqu'un qui a une passion d'économie, qui fait une économie de la passion, qui vit de sa passion. Et les newsletters, en fait, on est un petit peu sur... Ça vient un peu... transformer en fait le modèle de la presse écrite. Et ces trois modèles-là, en fait, ils viennent s'insérer dans des temps d'attention des médias qui sont particuliers. Dans un moment de profusion, on a besoin d'avoir des moments de temps long, des moments où on respire et on prend le temps. Donc le podcast répond à ça. YouTube, avec des vidéos de plus en plus longues, répond aussi également à ça. Et puis la newsletter, c'est aussi un moment, c'est un moment plus intime, on reçoit sa newsletter et du coup, on a le temps, on prend le temps de lire, on a besoin d'avoir ce temps-là de lire. Et vient se rajouter avec la newsletter la dimension beaucoup plus intime parce qu'on reçoit un mail de quelqu'un. Donc on est presque là dans une forme de circuit court de l'information où la confiance se recrée. Et quand on a créé Flint, d'abord on est parti sur la newsletter parce que c'est le truc le plus simple en fait à faire, ça coûte pas cher à faire, donc on n'avait pas d'argent, donc c'était très simple, ce qui explique aussi pourquoi il y a autant de particuliers qui le font. C'est aussi le modèle c'est un vieux modèle en fait, tout le monde reçoit des newsletters, on pensait qu'ils étaient saturés, mais en fait quand on apporte de la qualité et qu'on crée un lien de confiance, et bien du coup cette newsletter est ouverte. Et en termes de taux de transformation, si on veut faire payer, la newsletter est beaucoup plus efficace pour faire payer un client ou un abonné que les réseaux sociaux. Donc ça crée en fait un environnement où le payant devient beaucoup plus fort, aussi parce qu'on est sur le même modèle que la presse papier et que le modèle payant sur la presse papier s'est développé ces dernières années pour plein de raisons techniques, d'habitude aussi, et donc ça paraissait assez naturel. Et nous, le choix, on l'a fait parce que on avait besoin de faire du payant, parce que on n'avait pas l'intention de faire des millions d'abonnés gratuits, de financer par la pub sur le papier. Sur la presse écrite, la publicité est un modèle qui est compliqué et qui est de plus en plus compliqué. Donc on préférait avoir un modèle plus simple, plus valeureux, qui est celui de l'abonnement. D'accord. Très clair. Et toi, Johan, donc c'est, comme tu le disais, tu viens pas du monde des médias, donc peut-être tu n'étais pas sur ces sujets de fake news ou d'analyse marché. Pourtant, en quelques mois, tu as shifté. Est-ce que c'est pour les mêmes raisons? Est-ce que tu t'es posé la question de savoir est-ce que Snowball pourrait être gratuite et s'adresser au plus grand nombre et être sur un modèle de sponsoring, de brand content, de publicitaire? Ou non, tu as fait le choix du payant? Est-ce que c'était une question de calcul? Non, c'était une volonté, comme tu disais, de créer de la confiance. Je pense c'était vraiment le choix et j'avais pas envie d'être biaisé par des sponsors, même si tu peux le faire de façon assez saine. Et donc c'était juste que voilà, je voulais pas me prendre trop la tête avec ça. Mais pour rebondir un peu sur ce qui a été dit, je pense que oui, il y a plusieurs choses pour moi. Je pense qu'il y a déjà des outils qui ont été créés qui permettent au plus grand nombre du coup de s'exprimer, de monétiser, etc. Un peu comme à l'époque, en 2000, si on voulait créer une start-up, il fallait monter des serveurs, c'était un enfer, c'était très compliqué. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a toute une suite d'outils que les créateurs peuvent utiliser facilement et peuvent du coup ils peuvent se lancer beaucoup plus rapidement. Moi, c'est grâce à Substack que j'ai réussi à construire quelque chose très vite. Il y a 10 ans, ça m'aurait pris sûrement beaucoup plus de temps. Donc je pense qu'il y a plusieurs tendances qui se rejoignent. Et la dernière, je pense qu'il y a aussi
On voit de plus en plus de médias, d'ailleurs je crois que c'est The Athletic aux États-Unis. Là justement, ils sont en train de prendre un modèle un peu hybride, où en gros, eux, ils sont centralisés, donc c'est un média classique, mais ils sont en train de recruter des semi-indépendants. Du coup, je pense qu'il y a une volonté aussi de décentralisation, à la fois du côté lecteur, mais aussi du côté producteur, créateur de contenu, quoi. Donc voilà, je vois un peu ça comme ça. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement, justement, parce que tu as un modèle assez intéressant au-delà du simple abonnement payant. Alors, ça va rejoindre les notions un peu après d'animation de communauté, de contrepartie. Mais comment fonctionne un peu l'abonnement et ce à quoi tu as droit chez Snowball ? Ouais, bah du coup, en fait, quand j'ai créé Snowball, j'ai voulu créer un modèle économique qui soit un peu différent de ce qu'on trouve pour justement créer un peu plus de liens avec... avec les abonnés et aussi de créer quelque chose d'un peu ludique, quoi. Et donc j'ai décidé dès le début en fait de créer une sorte de format de cashback. En gros, il y a 20% des profits de Snowball qui sont reversés aux abonnés. Alors voilà, les gens savent très bien qu'ils vont pas devenir riches avec ça, mais c'était juste un moyen de créer un lien un peu plus fort avec cette communauté. Et il y a aussi 20% des profits que voilà je reverse à une asso. Donc en gros, voilà, 40% qui sont redistribués. Donc ça, c'était aussi une volonté à la fois de se différencier par rapport aux autres créateurs et aussi une volonté de créer un engagement plus fort dans la communauté. Donc voilà, après sur la partie, je ne sais pas si on doit détailler à quoi les gens ont droit sur la partie. Si, c'est intéressant, puisque l'idée, ouais, encore une fois, c'est analyser les différents modèles. Et ça fait partie, moi, je pense aussi du modèle, comment tu animes, comment tu te différencies, comment ce qui fait que tu fais baisser ton churn, donc ouais, le taux d'attrition, le fait que les gens se désabonnent moins vite, peut-être. Ouais, bah alors du coup, il y a plusieurs choses. Donc sur la partie gratuite, c'est donc deux newsletters par mois, donc assez classique. Surtout sur du contenu plutôt evergreen, donc c'est-à-dire qui est vrai aujourd'hui, qui sera vrai dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. La partie premium, c'est plus du contenu lié à l'actualité, donc là c'est une newsletter hebdomadaire, donc le dimanche soir que j'envoie. Ouais, pareil, le dimanche soir, les gens me disent mais pourquoi le dimanche soir, mais c'est vrai qu'il y a moins de concurrence dans les boîtes mail, donc c'était une vraie volonté. Et une newsletter quotidienne sur WhatsApp, donc là j'ai changé, j'ai pris un autre canal, parce que c'est des newsletters beaucoup plus courtes, en fait c'est vraiment une sorte de petite dépêche que j'envoie tous les matins. Et pour voilà, WhatsApp, pourquoi ? Bah, c'était aussi pour créer un lien encore plus proche avec les abonnés, parce que oui, comme tu disais, la boîte mail, c'est un vrai luxe d'avoir une place dans cette boîte mail, mais sur WhatsApp, c'est encore plus un luxe, parce que bah, du coup, en général, c'est famille, amis, et c'est à peu près tout aujourd'hui, quoi. Il y a quelques médias qui ont testé, et ça, je pense que ça fonctionne, mais bon, là, c'est plus des problèmes techniques avec WhatsApp. Mais voilà, et après il y a une petite application, donc pareil, là j'ai voulu créer du contenu encore en plus de la newsletter. Donc c'est à peu près tout. Il y a une communauté aussi sur laquelle les abonnés peuvent participer, échanger du contenu les uns avec les autres. Sur quel canal ? Alors ça s'appelle Peerboard, c'est une sorte de forum un peu à l'ancienne, mais revisité, donc forum 2.0, on va dire, de questions-réponses assez classiques. Donc voilà, c'est à peu près tout. Et là, je suis en train de développer de nouveaux trucs. Parce qu'en vrai, c'est vrai que le attirer les gens, c'est entre guillemets facile. Mais comme tu dis, c'est les retenir qui est beaucoup plus compliqué, surtout quand il y a un abonnement payant. Donc se renouveler, c'est toujours assez important, je pense, dans une offre. Et donc voilà. Top. Benoît, toi, ta communauté, puisque les newsletters sont peut-être pas toutes différentes, mais il y a différents robots, différentes verticales. Est-ce que tu arrives à monter une notion de communauté et d'avoir donc des contreparties pour cette communauté au-delà de je paye et je reçois ma newsletter ? Oui, l'essentiel, parce qu'à partir du moment où on fait appel à l'intelligence artificielle ou justement aux algorithmes, on veut avoir des algorithmes vertueux face aux algorithmes de Facebook qui ont un seul objectif, c'est d'augmenter les revenus de Facebook. L'objectif là, il est de faire en sorte que ces algorithmes ils soient dans un environnement où il y a beaucoup d'humains dedans. Donc il y a beaucoup d'intelligence collective, c'est-à-dire que les abonnés ou les abonnés payants notamment, ils entraînent les intelligences artificielles sur leur sujet, donc ce qui fait que l'intelligence artificielle devient de plus en plus qualitative. Ça, c'est la première chose. Et j'interagis énormément avec cette communauté de 20 000 abonnés où je leur envoie un message à peu près tous les dimanches où je raconte l'histoire de l'entreprise. Pour vous donner un exemple, on a décidé de lever des fonds auprès de nos abonnés, de nos clients.
il y a un an. Donc j'ai fait ça en plein confinement avec mon simple mail. Et on a 600, parmi nos abonnés, 600 personnes qui ont mis en moyenne 500 euros. Donc ils sont actionnaires. Donc on a 30% du capital de Flint qui est actionnaire de l'entreprise. Donc c'est aussi une garantie d'indépendance. Et puis je raconte tout. Je donne les chiffres de la boîte, combien on gagne. Et il y a 15 jours, on avait des soucis de trésorerie parce qu'on n'a pas eu, on n'a pas fait la levée auprès de la BPI comme on l'espérait. Donc il nous manquait 150 000 euros. Et du coup, on avait besoin, surtout comme on a un bon produit, on réabonne entre 80 et 100% des entreprises. Et on a un churn, c'est-à-dire des gens qui se désabonnent chaque année de 2%, donc ce qui est très bon. On a simplement besoin d'avoir que les gens connaissent, en fait. Donc on a demandé, j'ai donné tous mes chiffres à la communauté, combien on perdait, à quel moment on risquait de mourir, ce qu'on allait prendre comme mesure pour réduire les charges, etc. J'aurais fait une petite leçon d'économie, d'entrepreneuriat avec le peu que je connaissais. Et j'avais un peu peur en faisant ça, mais finalement, la réaction de la communauté a été extraordinaire, puisqu'on a eu près d'une centaine de mises en relation en moins de 3 jours, une vingtaine de rendez-vous avec des grandes entreprises. Donc j'ai booké complètement mon agenda. Et donc, ce qu'on appelle le pipe commercial, qui était de 200 000 euros, est passé à 400 000 euros en 3 jours. Pourquoi ? Parce qu'on est une entreprise à mission. Notre mission de lutter contre la surinformation et la désinformation, par la diversité notamment, par la protection aussi contre les fake news, mais aussi le développement de l'esprit critique. C'est essentiel. Et donc, il y a ce lien-là de confiance, en fait, où je raconte tout. Je raconte aussi nos problèmes. Je fais intervenir la communauté. Et on interagit aussi avec eux sur Discord, qui était le système le plus simple pour les avoir. Donc, on a 1000, parmi nos abonnés, on a 1000 abonnés qui sont en permanence sur Discord et qui échangent entre eux. Même entre eux, sans que vous soyez là. C'est le... Oui, alors d'abord, il y a un rapport avec la communauté qui est personnel. C'est-à-dire quand j'envoie un mail, les gens me répondent. Et je reçois des fois des mails, mais très longs, quoi, de 4 pages, hyper documentés. J'ai une communauté qui est de grande qualité. On a des patrons de médias, d'ailleurs, aussi, des chefs d'entreprise, des cadres, des profs, des chercheurs, des étudiants. Et du coup, c'est d'abord, quand je leur envoie une lettre, en fait, c'est comme une lettre personnelle. Donc, il y a un petit truc qui fait qu'ils ont l'impression que c'est à eux. Et surtout, quand ils me répondent, je leur réponds tout le temps. Donc, systématiquement, je réponds à chacune des lettres que je reçois. Donc il y a une communauté qui est faite en one-to-one, en individuel, on va dire. Et ensuite, sur Discord, ils peuvent communiquer entre eux. Et on fait des apéros audio de temps en temps où ils peuvent faire connaissance. Mais c'est d'abord une communauté qui est la particularité de la newsletter, qui est d'être très intime entre moi et chacun des abonnés. Merci, Benoît. Adriano, c'est quelque chose que chez Steady, alors vous êtes utilisé par des newsletters, des podcasts, des sites, etc. Mais la newsletter, cette transparence dont parlent Johan et Benoît, elle est primordiale pour avoir un modèle qui soit durable et qui tienne dans un abonnement payant. C'est quelque chose que tu observes puisque tu peux voir de nombreux créateurs, toi. Oui, oui, je pense. C'est-à-dire que nous, la façon même avec laquelle le système Steady est conçu, c'est que ça pousse vraiment les éditeurs à concevoir dès le départ leur projet, non pas comme uniquement, je reprends la métaphore du péage, hein, tu payes et sinon tu n'as pas le contenu, mais vraiment comme la capacité à rentrer dans une communauté, presque dans un club. Alors on pourrait dire, ah oui, mais c'est un club, après c'est exclusif, etc. Oui, c'est exclusif, sauf que c'est plein de clubs. C'est-à-dire que je pense que dans notre société aujourd'hui, on a d'un côté une logique d'aplatissement, c'est ça, vraiment il y a une pensée unique presque, ou alors deux types de pensées, il y a une grande polarisation, mais ce qui nous manque un peu, c'est le pluralisme. C'est avoir une grande variété de points de vue. Et finalement, avec c'est un peu comme ce que disait Johan aussi, le fait d'avoir créé, lui pour Snowball, Ezekiel pour Pomelo, ces voix qui peuvent finalement devenir non seulement... authoritative, c'est-à-dire avoir une autorité dans le débat public, mais finalement c'est un peu cette idée de circuit court. Alors chez Steady, il y a un élément très intéressant, par exemple, c'est le fait de pouvoir offrir des memberships, que ce soit à des membres de sa famille, à des amis, etc. Et c'est l'éditeur peut le prévoir en fait dans les plans qu'il a. Uniquement les membres vont en règle générale avoir le droit de commenter sur les articles. Nous, derrière, on coach les éditeurs de newsletters ou de podcasts pour qu'ils puissent organiser des événements, par exemple des conférences de rédaction ouvertes, un peu comme des apéros sur Zoom, etc. Et tout ça crée un lien. Ça permet d'avoir... C'est ça la recette un peu...
je pense. Miracle, en tout cas, c'est assez important. Je pense. C'est ce qui est très différent de la presse classique, mais d'ailleurs, la presse classique, elle s'y met aussi parce qu'elle elle est en train de capter finalement qu'il y a cet élément-là. Et j'adorais la référence qu'a fait Johan à The Athletic. Je ne sais pas combien de personnes le connaissent dans la salle, mais c'est vrai que The Athletic, donc aux États-Unis, donc, c'est un média sportif, mais que les gens ne connaissent pas forcément. C'est-à-dire qu'ils vont connaître la newsletter sur la toute petite équipe. Des fois, c'est des équipes de football d'un lycée. Oui. Où on va très, très niche. Voilà, hyper niche. Personne d'autre ne traite. Voilà, mais aujourd'hui, tu as des centaines et des centaines de médias. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils vont débaucher souvent les commentateurs sportifs de la presse nationale ou de la télé locale, parce qu'aux États-Unis, il y a des télé locales partout, pour que, en fait, ils viennent travailler chez eux. Avec des deals souvent qui mélangent le salariat et l'intéressement. Donc, ils sont très, très smart. Ça, c'est effectivement assez intéressant. Donc, ce marché qu'on voit se développe, de plus en plus de newsletters. Est-ce que on peut arriver à une saturation? Alors, déjà, au terme de technique, hein, il y a Substack, il y a Ghost, il y a Steady, il y a Beehive qui vient de se lancer. Il y a énormément de solutions. Est-ce que tu sens que le marché va arriver à une maturité? Qu'est-ce qui va faire que, en fait, les créateurs vont choisir telle ou telle solution, vraiment là, d'un point de vue techno? Il y a Patreon aussi, oui, qui est très intéressant. Alors, je pense qu'à chaque fois, c'est très intéressant de connaître la genèse. Tout à l'heure, tu m'as posé la question, je ne t'ai pas répondu, de toutes ces solutions. Parce que, par exemple, Patreon, c'est très intéressant parce que c'est un ancien musicien qui a voulu créer une solution pour les musiciens qui avaient du mal à monétiser les audiences, à remplir une salle, etc. Ouais. Et bah, peut-être ils peuvent faire des performances comme ça dans leur chambre, etc. et prendre de l'argent. Alors aujourd'hui, Patreon est encore utilisé surtout par des gens du showbiz en fait en général, ou alors voilà des musiciens indépendants. Pour ce qui est de Steady, et bah, Steady en fait c'est une très belle histoire. C'est des copains journalistes qui travaillaient avant dans les médias traditionnels. Pas de bol, je crois à un moment donné c'était Vanity Fair où il travaillait Allemagne qui ferme ses portes, puis un autre média local qui ferme ses portes, il y en a un autre qui est en banqueroute, etc. Il s'est dit, attends, mais nous on vient d'avoir un diplôme à l'école de journalisme, on veut bosser et on voit tous ces médias qui ferment les uns après les autres. Et donc ils se disent, bah, on crée notre propre média. Mais tu sais quoi, on le crée, mais bien quoi. On va faire un truc très ambitieux, on a besoin d'un million d'euros. Alors, ils ne font pas du tout de business plan, tu vois, c'est une histoire incroyable. Ils vont à la télé, ils pitchent le truc, et ils disent, si on ne reçoit pas un million, on ne le fait pas. Et là, ils y arrivent. C'est des gamins, hein. Ils y arrivent, ça s'appelle Crowd Reporter, ça existe toujours au bout de 7 ans. Et comme ça avait marché, il y avait plein de gens qui venaient frapper à leur porte, ils disent, mais comment vous avez fait? Parce qu'il faut créer un truc pour les paiements, les newsletters, etc. Donc eux, ils avaient créé toute la tuyauterie, et après ils ont fait un spin-off. Et ça, c'est Steady. C'est-à-dire qu'ils ont voulu proposer à Marc Blanche la solution qu'ils avaient eux-mêmes bricolée, et qui aujourd'hui, évidemment, par rapport à Substack, par exemple, c'est un peu le Substack européen. C'est l'ambition de Steady, d'être le Substack européen. C'est l'ambition de Steady, mais je crois qu'on est déjà supéré en termes de taille. En Europe ? Non, dans le total, monde. Ok, ça c'est intéressant. Ouais. Benoît ? Alors, je sais qui vous auriez pu inviter comme femme, en fait, maintenant, parce qu'en région... T'as quand même pas mis une demi-heure pour trouver quelqu'un. À ma place, c'est ça ? Non, bah oui. Non, je plaisante. En fait, c'est la fondatrice des Glorieuses. Elle était là juste avant la table. Bah oui, d'accord, mais elle a modèle payant, parce qu'en fait, elle a justement... C'était la question entre le gratuit et le payant, justement. Parce qu'en fait, elle est en train de travailler à côté. Elle a aussi un modèle payant, puisque c'est gratuit, mais enfin, elle est non seulement... Sur Impact. Elle fait du chiffre d'affaires, mais surtout, elle est rentable. Oui, avec son club. Elle est même très rentable. Et en fait, elle a un modèle payant qui est un modèle de club, notamment. Ouais. C'est-à-dire qu'on s'abonne et on participe à un club, donc il y a un système de réseau. Donc c'est une évolution intéressante, parce que va se poser quand même le problème de... Et je vois qu'il y a nos amis de News dans la salle, donc je vais en parler, mais de News qui est un service qui essaie de travailler sur un système d'abonnement global pour l'ensemble des services payants, puisque la diversité, c'est bien, mais est-ce qu'on va pas arriver à une forme de saturation, comme c'était on l'a un peu mon point, actuellement dans les médias payants, même s'ils disent que tout va bien, enfin globalement on
matin. On ne peut pas s'abonner à 10 médias. Parce qu'on est déjà abonné à Spotify, on est abonné à Netflix. Peut-être que demain, on sera abonné à un média traditionnel et puis ensuite un petit indépendant à qui on donnera de l'argent pour le soutenir, mais ça n'ira pas tellement plus loin. Et moi, je lutte pour la diversité de l'information. Et parce qu'on a besoin de cette diversité-là, vous le voyez avec les élections présidentielles, on entend parler de quoi ? De Zemmour tout le temps. Et donc on a besoin d'avoir des sources différentes qui nous parlent d'autres choses, qui nous parlent d'environnement et qui nous parlent de plein d'autres problèmes dont on ne parle pas aujourd'hui. Et si tout devient payant, ça va coûter combien au bout d'un moment, en fait ? On va se retrouver à payer des abonnements de 70 euros. Alors ça va quand on peut payer, mais quand on ne peut pas payer, c'est compliqué. Et dans ce cas-là, il nous reste que la merde, en fait, quelque part, pour parler un peu crûment. Et donc je pense qu'il va y avoir au bout d'un moment, ça va. Les premiers vont être servis, les plus gros vont prendre tout l'argent, les autres médias vont avoir beaucoup de difficultés. Et là, on va se retrouver à un système qui va être un petit peu compliqué. Donc peut-être des offres qui permettent de trouver des systèmes de forfaits, par exemple. Moi, j'ai peut-être pas envie de m'abonner à toutes les newsletters. Il y a plein de trucs super intéressants sur Substack, par exemple, notamment en France, qui se développe. Il y a Google qui va lancer sa nouvelle plateforme aussi bientôt de newsletters. Mais je peux pas m'abonner à tout. Par contre, si j'ai un petit abonnement qui permet de payer chacun et de pouvoir avoir au forfait quelques-uns des articles, ça m'intéresserait en tout cas. Et je me demande s'il ne va pas arriver, puisqu'il y a beaucoup de plateformes qui arrivent aujourd'hui, si les médias, même si le New York Times ramène de plus en plus maintenant ses newsletters payants dans l'abonnement payant, si on ne va pas avoir, si les médias ne vont pas encore perdre encore face à des plateformes comme Substack, comme Google, comme Facebook, comme Twitter, qui vont arriver avec des systèmes beaucoup plus globaux et qui, eux, pourront arriver justement à forfaitiser. Donc, qu'est-ce qu'on fait face à ça ? Je pense qu'il est temps de commencer à se poser la question. On est content de la diversité. Oui, mais on risque d'avoir un petit retour de bâton dans quelques temps. Tout à fait. Tu voulais réagir à cette question, Johan, l'évolution du marché, une saturation. Alors toi, tu es sur une niche, encore une fois, c'est un peu différent, mais tu as peut-être aussi un avis là-dessus. Non, mais c'est marrant parce que je discutais avec quelqu'un sur LinkedIn qui disait justement, non, mais il n'y a pas de passion économie, il était plutôt dans le débat et du coup, il disait en fait... Il y en a quelques-uns qui gagnent et il y en a des milliers qui en fait n'arrivent pas à en vivre, quoi, tout simplement. Et du coup, on se posait la question, on se disait, est-ce que on va voir naître une sorte de classe moyenne de cette passion économique, quoi. C'est est-ce que demain quelqu'un pourra vivre comme aujourd'hui, on est cadre ou autre de la passion économique. Et c'est ça la question, en fait, on n'a pas vraiment de réponse à ça. Donc il y a plein aujourd'hui de plateformes qui nous aident. Substack, Ghost, etc., etc. Mais du coup, c'est vrai que là, c'est vraiment le point d'interrogation dans l'équation. Et après, sur le, est-ce qu'on atteint une saturation ? J'ai l'impression que chaque année, on entend ce mot saturation par rapport au contenu, mais on voit toujours des nouveaux trucs arriver et finalement, les gens continuent de payer je vois pas arriver en fait ce plafond. C'est ce qu'on disait pour les podcasts et pourtant ça s'est bien développé. Là, Disney+, on disait que ça allait capoter, mais finalement ils s'en sortent plutôt pas mal. Bon, ok, ils ont une propriété intellectuelle de malade et on peut pas comparer tout. Mais voilà, je me pose vraiment des grosses questions sur ça et je n'ai pas de réponse. Ouais. À suivre. Adriano, tu voulais réagir sur ce sujet, évidemment. Ce que je voulais dire, c'est que cette idée de presque d'un agrégateur de contenu payant, ça a été expérimenté pas mal aux États-Unis. J'y ai passé 9 ans et j'avais une start-up dans la tech/média. Du coup, je côtoyais plein de start-up. Il y avait, je ne sais pas si vous vous en souvenez, ça s'appelait Scroll. Et c'était du fondateur Tony, j'oublie son nom de famille, hein ? Voilà, Tony Hale, exactement. Donc Scroll. Qui avait pas marché finalement. Ce qui est intéressant, c'est que les médias nationaux qu'il était arrivé à convaincre, c'était quand même des gros, grands ponts. Il y avait le New York Times, Washington Post, etc. Et tu pouvais donc, en payant $5 par mois, avoir en fait un florilège de tous ces contenus. Mais alors, ce n'était pas 100% des contenus, oui, évidemment. Donc son pari, c'était est-ce que je peux créer en fait une offre qui est pas suffisamment profonde pour que ce soit un média à part entière. Mais alors le New York Times, tu avais 15 articles, tu en avais 20 du Huffington Post, tu vois, c'était... C'est un peu ce qu'essaye de faire Apple News aussi. Ouais, c'était un peu mi-figue-mi-raisin, tu vois. C'était Blendle, c'est Redly qui rachète... Tout le monde s'est cassé les dents. Qui rachète ePress, c'est le... C'est ça. Mais moi, je reviens en fait sur le concept de se dire, finalement, entre le free et le modèle du péage, tu peux quand même avoir une voie moyenne. C'est-à-dire que tu peux... Nous, on le voit chez Steady, en fait, on a très peu d'éditeurs qui vont te mettre tous leurs contenus
pour les abonnés payants et zéro pour les autres. C'est-à-dire que tu as toujours en fait une certaine... ça dépend vraiment où tu places le curseur. Et puis en plus des contenus, tu as autre chose. C'est-à-dire, par exemple, Johan, lui, il développe une expertise incroyable dans la microfinance. Et bien, ça se trouve, demain, il pourrait, répondre à des questions très précises, en fait, de gens et monétiser ça avec un abonnement encore supérieur. C'est-à-dire que ou des masterclass. Voilà. Il faut arrêter de penser que le journalisme, c'est une usine. Dans laquelle les journalistes, tels que les ouvriers, rentrent tous les matins, ils font leur petit truc et hop, ils le vendent à ceux qui veulent payer. Voilà. Le journalisme, c'est, ça peut être un service, ça peut être quelque chose qui est là pour expliquer les choses, ça peut être quelque chose qui est là pour éclairer les personnes, pour créer des liens, pour créer des communautés. Il n'y a pas que le contenu derrière paywall que tu peux monétiser. Voilà. Et du coup, on revient à la question de OK, on a besoin de pluralisme, OK, on a besoin de segmentation, mais quid de l'accès à tous ces contenus qui sont derrière paywall? Et bah, si tu n'es pas manichéen dans l'utilisation du paywall, et bah, tu peux quand même avoir une offre qui est, dont une partie seulement est derrière paywall. Et le reste peut servir, la communauté et la société. Voilà. Voilà. C'est ça. C'est très juste, espérons que ce soit le cas. Et alors peut-être question technique, parce que toi, Benoît, tu dépends aussi donc, des contenus, c'est un système de curation, parce que évidemment, si tout le monde passe au paywall, tu ne peux plus accéder au contenu. Est-ce que toi, tu comment ça peut évoluer dans ces cas-là, Flint? On voit les choses différemment. Ça vaut déjà, nous, 50% de nos abonnés ont déjà un abonnement à un ou deux médias. Donc c'est principalement Le Monde. C'est donc parce que ce sont des passionnés d'information, donc nous on n'a pas pour objectif de faire en sorte que les médias soient gratuits. Enfin, je pense qu'on est là pour améliorer l'écosystème, donc au contraire, le robot fait remonter la qualité. Donc, a priori, faire monter pas mal de contenus payants, mais aussi énormément de contenus qui sont moins traditionnels, et on en fait remonter de plus en plus, donc ça c'est une première chose. Et donc, quelque part, ça fait aussi, si ça peut permettre à des utilisateurs de faire leur choix d'abonnement, c'est-à-dire à quoi je vais m'abonner, mais en fait, s'ils se rendent compte qu'ils lisent énormément ce type de contenu-là qui remonte, dans ce cas-là, plutôt s'abonner à tel ou tel média. Donc, on a d'abord ce rôle-là. Et puis après, sur la suite, est-ce qu'il y aura demain des services qui permettront d'avoir des abonnements globaux? Moi, ça m'arrangerait, mais ça m'arrange parce que moi, je lis beaucoup d'informations. Enfin, je n'ai pas envie demain de me retrouver qu'avec 3 médias à lire. Ce n'est pas possible. Internet est suffisamment riche pour qu'on ait cette diversité-là. Et on l'a vu pendant la crise du Covid. La crise du Covid, au début, c'était tout gratuit, puis après, c'était tout payant. Puis dès qu'on a une fake news, maintenant, check news, vous allez sur Libération, il faut payer pour avoir la vérification de l'info. Je fais comment, moi, si je n'ai pas d'argent? Je reste avec les fake news. Voilà. Donc, je pense qu'il y a quand même une réflexion à avoir par rapport à ça. Mais nous, on est assez à l'aise, en fait. On représente aussi un besoin d'information. On n'est pas là pour abîmer l'écosystème. Bien au contraire, on les met plutôt en avant. Donc, on va évoluer avec le monde tel qu'il va évoluer. Mais ça sera à la fois, je pense, du côté des médias. Ça va certainement, au bout d'un moment, se démocratiser. Puis peut-être aussi au niveau de la population, mais un petit peu comme on l'a vu sur la bouffe, en fait. Avant, on n'avait que le supermarché, puis quand on n'avait pas d'argent, on n'avait pas d'autre choix, il fallait être bobo pour aller manger du bio. Ça se démocratise de plus en plus. Jusqu'à un point de bascule. Voilà, les circuits courts aussi, c'est aussi des lieux aussi où on peut rencontrer des gens, donc ça crée des communautés. Donc petit à petit aussi, il y aura à l'intérieur de la population peut-être une plus grande population qui consacrera plus d'argent aussi à son information. Donc je pense qu'il y a un équilibre à trouver, et c'est vers ça qu'on se dirige sans doute vers le futur. Top. On a anticipé, et après j'avais des questions qui étaient plus sur des choses très pragmatiques sur l'augmentation du nombre d'abonnés. On aurait pu le faire avant parce que je trouvais intéressant de finir sur ces sujets un peu d'ouverture, mais comme on a anticipé et qu'il reste quelques minutes, ça va être juste la minute un peu pro tips. Peut-être Johan, pour toi, si aujourd'hui quelqu'un se lance sur une newsletter en modèle payant, est-ce que tu as quelques... tips, des astuces à donner sur le recrutement du nombre d'abonnés, au-delà des perks dont on a pu parler, des avantages, etc. Au-delà du contenu pur. Bien sûr, oui, il faut le dire quand même, c'est le contenu. Les gens viennent pour le contenu, ils restent peut-être pour autre chose, mais ils viennent pour le contenu. Je pense que l'aspect transparence dont tu parlais, et moi je l'utilise beaucoup, ça fait venir beaucoup de gens. En fait, je ne sais pas si vous connaissez parmi vous la start-up Alan ou même Basecamp aux US, des boîtes ultra transparentes, et en fait ils s'en servent beaucoup pour non seulement recruter en interne des employés, mais aussi pour faire de l'acquisition de nouveaux clients.
Donc il y a ce côté transparent ou de partager voilà, sur LinkedIn où j'en suis, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Ça, moi, ça m'a beaucoup aidé, en tout cas au début, pour avoir mes premiers abonnés. Et je pense que voilà, il faut pas. Pour moi, il y a deux réseaux aujourd'hui qui, peut-être qu'il y a certains qui vont rigoler, mais il y a deux réseaux pour moi aujourd'hui qui permettent vraiment de booster un peu la croissance de sa newsletter. Et quand c'est couplé à l'email, c'est assez puissant. C'est bah, LinkedIn, parce que du coup, même avec une petite communauté, on peut faire de la portée assez forte comparée à Twitter, Instagram, etc. Et le deuxième, c'est TikTok. Et j'ai une amie qui a fait de 0 à 10 000 abonnés pour sa newsletter en 6 mois, quoi, grâce à TikTok. Donc c'est ce qui n'est pas rien, en fait. Et c'est vraiment très puissant, en fait. Et du coup, en fait, les deux couplets, le fait d'avoir bah, du coup ce précieux email, parce que du coup comme tu disais encore une fois, bah, avoir une place dans l'email c'est hyper précieux, plutôt que d'avoir 100 000 abonnés TikTok, quand on arrive à les convertir, et on peut les convertir assez facilement, bah, ça marche super bien, quoi. J'ai pas encore testé TikTok, mais c'est juste une barrière psychologique. Exactement, ça viendra peut-être. Benoît, toi, sur les quelques années d'existence de Flint, qu'est-ce qui a bien marché au recrutement ? Donc tu parlais aussi de la transparence. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur la formulation de l'objet de mail, etc. Sur des campagnes qui ont particulièrement marché ? Est-ce que tu as des conseils à donner ? Nous, on démarrait avec un algorithme, donc c'est vrai que c'est difficile de créer de l'intimité avec un robot, en fait. Donc on a donné une image au robot, les utilisateurs peuvent interagir avec le robot. Je crois qu'il faut être un copain, en fait, ou quelqu'un de la famille, en tout cas. Quand on écrit une newsletter, je pense que même quand on est journaliste, même quand on a un média, il faut arriver à trouver cette dimension de faire partie des proches, en fait, de l'utilisateur, et jouer ça à fond. Et puis je pense qu'il faut beaucoup travailler, parce que si on travaille beaucoup, les lecteurs le voient, parce qu'ils voient vraiment la différence. Donc je pense que c'est cette qualité-là, à mon avis, qui est essentielle. Et puis après, il y a différents vecteurs qu'on peut utiliser. Je pense que ce que tu as dit est assez intéressant. J'ai pris des notes sur TikTok. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment rentrer dans l'intimité. Il faut le faire avec honnêteté. Donc comment est-ce qu'on devient un copain de notre lecteur? Je vous laisse réfléchir à ça. Merci Benoît et Adriano. Donc toi, est-ce que vous avez des bonnes pratiques que vous communiquez justement sur le recrutement, les meilleurs canaux, les best tips ? Oui, donc là je vais puiser surtout dans mon expérience personnelle. J'ai eu la chance de vivre 9 ans dans la Silicon Valley, dont la première année pour un fellowship à Stanford. Et en fait, je me suis vraiment imprégné de ce qu'on appelle là-bas le design thinking, c'est-à-dire de penser son produit un peu comme un dessin, petit à petit, et le montrant aux gens, et l'améliorer de plus en plus. Alors, il faut une gomme, il faut un bon crayon, mais l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est de partir de une version initiale qu'on puisse publier le plus rapidement possible, au lieu de faire une nouvelle formule qui va nous prendre un an et demi de réunion, etc. Avoir une itération qu'on va montrer plus possible de gens, récolter des feedbacks, améliorer la deuxième sur la base de ces feedbacks et petit à petit grandir. Et c'est la même méthode que j'enseigne à mes élèves à l'école de journalisme Sciences Po, et c'est une méthode qui peut être gagnante à partir du moment où, quand on fait par exemple une newsletter et qu'on cherche une audience, une newsletter c'est quelque chose d'extrêmement facile à montrer. Faut pas non plus, voilà, on n'est pas en train de parler d'une longue vidéo, etc. La montrer, qu'est-ce que tu trouves dedans? Est-ce que ça te plaît? Regarder les datas et itérer. Voilà. Donc, la transparence, grosso modo, c'est communiquer, dire ce qu'on fait, ne pas hésiter à se tromper, écouter les retours. Écouter. Et il y a ce concept en fait d'empathie. C'est-à-dire se mettre dans la peau de l'utilisateur et de façon à que je puisse feel your pain, que je puisse sentir en fait, en français c'est un peu moche, ta souffrance, tu vois. Mais c'est quoi la souffrance? La souffrance, c'est d'être dans le dark, c'est de ne pas comprendre ce qui se passe dans le monde, c'est de ne pas savoir comment investir mon argent personnel, etc. Et ben, c'est un vrai problème. C'est la méthode de vente de Xerox, quoi. C'est trouver le pain chez le client. C'est un peu trouver le pain et écouter les gens, et après, petit à petit, esquisser une solution. Ouais. C'est peut-être ça, le journalisme de demain. Merci pour ces mots, merci pour ces témoignages, ces échanges. C'était intéressant. En tout cas, moi, je trouvais ça intéressant. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette table ronde jusqu'au bout. Et merci à nos trois intervenants. Merci. Thank you.